des sentiments. La France, traversant de tragiques journées, vit placer la raison sur les divins autels. Pourtant la froide reine, aux foules prosternées, ne saurait imposer des décrets immortels. Son règne achèverait soudain nos destinées. Contre le sphinx obscur, nous cesserions nos duels. Quittant leurs vains espoirs, nos âmes résignées ne s'élanceraient plus vers de merveilleux ciels. Car nous marchons guidés par un sublime rêve qui, flottant à nos yeux et reculant sans trêve, se transforme toujours, mais sans pâlir jamais. Et les sentiments seuls, en nous prêtant des armes, nous mènent à l'assaut de tous les hauts sommets. Pour conquérir les cœurs, Jésus versa des larmes.